Ici et maintenant, non, 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 ici et maintenant, non, non, ici et maintenant, non, non. J'arrive quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Lundi, dès 23h aussi, je suis avec vous. Ah voilà, vous avez la parole, vous pouvez nous appeler en composant le 08 92 23 95 20. Nous avons Joël et Marc avec nous. Bonsoir Joël, bonsoir Marc. Bonjour. Bonjour Joël. Bon, je m'excuse tout d'abord parce que j'ai bu beaucoup de Porto, je suis un peu saoul. Mais je ne suis pas du tout d'accord, du coup, d'accord, avec ce que je viens d'entendre dire. Sans l'équilibre des sous-marins nucléaires, il n'y aurait pas de paix. Il n'y aurait pas de paix, il n'y aurait pas de paix. C'est les sous-marins nucléaires. Joël, vous pouvez parler un peu plus fort, mon ami Joël. Un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord, j'ai penché un vieil appareil. Merci. Oui. Alors, tu m'entends mieux, là? Maintenant, c'est bien. C'est-à-dire, quand vous approchez votre bouche avec votre combiné de téléphone, je vous entends bien. Et faites ça, s'il vous plaît. Tous mes amis, je vous invite de faire ça, rapprocher le combiné de téléphone de votre bouche. Oui, c'est un vieil appareil. Merci, Joël. Bien, alors... L'équilibre fragile de la paix dépend des sous-marins atomiques. Et si un jour on peut repérer les sous-marins atomiques, c'est la catastrophe, mon ami. C'est la catastrophe. Ils ont tellement peur, les dirigeants, de l'arme nucléaire, que ça les oblige à inventer des solutions différentes de pression économique pour arriver à leur fin. Mais je t'assure que sans les sous-marins atomiques, ce serait déjà l'enfer sur la Terre, mon ami. L'enfer sur la Terre. Alors, tous ceux qui disent qu'ils sont pour la paix, qu'ils sont pour le désarmement et tout ça, ou bien c'est des menteurs, ou bien c'est des gros connards, mon ami. Ils sont cons. Parce que la seule chose qui fait peur, ce sont les sous-marins atomiques. Comme j'ai bu trop de Porto, je vais raccrocher parce que... Mais avant de partir, Joël, fais peur à qui? Nous sommes menacés par qui? De qui nous avons peur pour avoir l'utilisation un jour de bombes atomiques? Qui, s'il te plaît, est l'ennemi? Par qui, par quoi? Notre ennemi, c'est qui? Nous avons peur de qui? Parce que tu dis, nous avons peur, tout ça. Alors, il y a les ennemis. C'est qui l'ennemi? Contre qui on va utiliser? Et tous, ils ont peur de l'arme nucléaire embarquée sur sous-marin atomique. Tous, il n'y a que ça qui leur fait peur. Le reste ne leur fait pas peur. Il n'y a que ça qui leur fait peur. Alors, heureusement qu'il y a encore quelque chose qui puisse leur faire peur. Parce qu'on est gouverné par des fous, mon ami.
Tu crois que tu rencontres dans tes cocktails des gens intelligents, mais la plupart sont des pauvres cons, mon ami. Ce sont des pauvres cons qui lèchent le cul des gens qui sont plus riches qu'eux pour se positionner politiquement. C'est... Va en dehors des cocktails, mon ami. Va voir du côté des services de renseignement. Que ce soit français, anglais. Anglais sont plus sérieux. Ils sont plus sérieux parce qu'ils ne changent pas de directeur à chaque élection. Va voir et puis tu connaîtras mieux l'état du monde. Allez, au revoir mon ami. Merci J'aime Joël. J'aime bien écouter ton émission. Merci Joël, merci. Ça dérive dans la folie. Bonsoir Joël. Les cocktails, tout ça. Oh là là. C'est pas là où on entend les bonnes choses. On n'entend que des petits ragots. Allez, au revoir mon ami. Au revoir Joël, ça c'était son avis, notre ami Joël. On respecte tous nos amis jusqu'au moment et la vie, ça ne dérange pas l'humanité. Hein. Mais c'est vrai, on devait avoir peur de qui? De qui on devait avoir peur pour avoir les bombes atomiques? Parce que imaginez-vous, qui a utilisé pour la première fois les bombes atomiques? C'était les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué les innocents de l'autre côté du monde. Et mais surtout que cette initiative, c'est une initiative mondiale, c'est international. Philippe, vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. Alors Philippe, bonsoir, qu'est-ce que tu en penses? Déjà pour cette mission, toujours plaisir à t'entendre. Sur Paul Quillès, je suis étonné que tu cites cette personne, tant il est vraiment caricatural, du moins pour les gens qui ont un peu connu le septennat Mitterrand. Paul Quillès, c'est quelqu'un qui avait essayé de se faire élire maire de Paris avec le slogan « Quillès, la tendresse bon, ». A priori, pas franchement dire qu'il ait une tête qui est très tendre. C'est quelqu'un qui avait écrit qu'en fait, il ne suffit pas de dire que les têtes doivent tomber, mais dire lesquelles et le faire rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Robespierre, comme Robespierre. Donc c'est pas franchement quelqu'un qui a été un très grand ministre de la Défense, au contraire de Chevènement d'ailleurs. Donc je sais pas ce qui manigance encore dans son club là, mais c'est totalement loufoque. Moi, je dirais que ça se vérifie, c'est plutôt le Parti Socialiste qui est anachronique. Le Parti Socialiste, comme tu dis, qui avait été refondé par Mitterrand, qui est arrivé au pouvoir, qui est resté à peu près 14 ans, et puis le dernier avatar, c'était François Hollande. Et on voit bien qu'actuellement, le Parti Socialiste, c'est plus rien du tout, quoi. Donc, moi, je dirais que c'est plutôt. C'est ce parti-là qu'il faudrait supprimer au lieu de la bombe nucléaire. Donc pour tout ce qui est bombe nucléaire et dissuasion, je suis tout à fait d'accord avec la dame qui vient d'intervenir. Si on n'avait pas eu les sous-marins nucléaires, je pense que ça serait vraiment la fin des fins. Je pense à un pays comme la Russie qui a un fort armement nucléaire. Bah, je pense que si ce pays n'avait pas c'était pas réarmé, on va dire, intelligemment, et parce qu'ils ont quand même bien modernisé tout leur arsenal nucléaire, mais ils seraient déjà morcelés, éclatés, enfin, il n'y aurait plus de Russie, quoi. C'est-à-dire, il y aurait exactement ce qui se passe en Ukraine. Et je me permets de dire que c'est pas les socialistes ni Mitterrand qui ont créé l'arme nucléaire, la dissuasion, la défense, tout ça, mais c'est bien le général de Gaulle. Hein. C'est le général de Gaulle qui a créé, d'ailleurs avec l'aide des communistes, après 1945, tout ce qu'on a actuellement, et concernant la modernisation de l'armée, l'arme nucléaire, c'est Charles de Gaulle, Mitterrand n'y est pour rien. Alors pour moi, Paul Quillès, c'est quelqu'un qui est totalement anachronique. Bon, il est peut-être brillant, je pense qu'il avait fait l'école polytechnique. Mais sur l'idée, Philippe, l'idée de désarmement atomique, tu es pour ou contre Non, mais c'est l'idée. Une idée totalement, comment dirais-je, utopique. C'est ce que voulaient faire les... Alors pour les gens qui sont... Moi, j'ai... Bon, ça peut dire longtemps. Pour les gens qui ont connu cette époque, quand Ronald Reagan est arrivé au pouvoir,
Donc lui, effectivement, il a mis la pression pour réarmer les Américains et refaire une course à armement. Et les Allemands, enfin les Verts allemands et la gauche allemande, elle, c'est ce qu'elle voulait faire. Elle voulait supprimer l'arme atomique et les missiles Pershing en Allemagne. Et on voit qui a gagné finalement. L'Union soviétique s'est totalement éclatée. Donc non, je pense que c'est totalement utopique, c'est totalement fou. Et par contre, il y a des gens, des puissances d'argent ou des puissances occultes qui veulent que la France n'ait plus d'armes atomiques. Ça c'est sûr. Je crois que c'est Jovanovic qui en avait parlé. Mais bon, il y a aussi des gens qui veulent que la France bah, n'existe plus, soit une sorte de, je sais pas, de petit pays éclaté dans la grande Europe, et que seuls bah, les Américains aient, avec les Anglais, aient cette fameuse bombe atomique. Donc peut-être que M. Paul Killès, c'est ça qu'il veut. Il veut peut-être que la dissuasion atomique qui a été créée par le général de Gaulle, bah, on n'en est plus. Bon, il faudrait peut-être qu'il s'exprime de manière un peu plus claire. Mais pour moi, non, Paul Killès, c'est pas vraiment. Enfin, voilà, c'est Alors, tu vraiment. viens de parler, Philippe, de missiles Pershing. C'est très intéressant. J'aimerais bien que tu parles un peu plus de missiles Pershing. Qu'est-ce que tu en sais? À l'époque, c'était bon, pour ceux qui se souviennent, hein, enfin, moi j'étais plus jeune, mais il y avait une forte tension entre l'Union soviétique et puis les Américains. Et Ronald Reagan, qui a été élu en 1980, et réélu en 84, lui voulait clairement la chute de l'Union soviétique, et il a fait pression, donc c'est un homme de droite, hein, il a fait pression pour réinstaller des missiles Pershing à tête nucléaire en Allemagne de l'Ouest. À l'époque c'était l'Allemagne de l'Ouest, alors que dans le pacte de Varsovie avait des missiles SS-20. Et il a tellement fait pression pour faire la course à l'armement et doter tout l'Ouest de l'Europe de plein de têtes nucléaires que finalement les Russes n'ont pas pu suivre. Et Gorbatchev est arrivé, donc c'était en 85, et il a essayé de. Bah, parce que le modèle économique soviétique ne pouvait pas se lancer dans une course armement, une course nucléaire, alors qu'ils étaient quasiment en faillite au niveau de leur économie. Et les Américains, eux, poussaient, poussaient, poussaient. Et je sais qu'à l'époque, ils avaient aussi construit des tas de sous-marins nucléaires. Et ce qui a provoqué bah, la chute du bloc soviétique et puis le retrait des soviétiques de l'Europe de l'Est. Donc c'est bien par la force, ce qu'a fait Ronald Reagan, et par, entre guillemets, l'intimidation, par un réarmement nucléaire de l'Allemagne de l'Ouest, que les soviétiques ont plié, quoi. Alors tu dis actuellement il n'y a pas de menace, mais bien sûr que oui, il y a des menaces. Il y a une menace bah, islamiste, ou alors, je sais pas si on peut l'appeler musulmane, mais enfin, il y a une menace dont on parle pas beaucoup, mais qui va se faire jour parce que l'Afrique est en pleine crise de natalité, population. Et un pays comme le Nigeria, il va faire 450 millions d'habitants en 2050, alors que le continent européen lui vieillit. Donc tous ces gens, ce qui est humain, il est humain que ces gens veuillent migrer vers le nord. Donc ce qu'on voit actuellement, c'est rien du tout, quoi. Et ce qui va se passer au niveau menace migratoire, plus éventuellement les problèmes liés au climat, mais ça va être infernal. Bon, voilà, donc il y a cette menace-là, et puis il y a encore une menace entre bah, il y a une guerre entre les Américains et la Russie, puisqu'à la chute de la Russie, quand il y avait Boris Yeltsin, bah, les Américains, enfin du moins les néoconservateurs américains, eux voulaient quasiment dépecer toute la Russie et faire revenir la Russie à ce qu'elle était il y a 1000 ans, c'est-à-dire la principauté de Moscou. Bon, bah, Poutine est arrivé et a dit bah non, ça c'est pas possible. Et ce qu'on voit actuellement en Ukraine, c'est quand même la guerre entre les intérêts américains et puis les intérêts russes. Donc plus les Chinois qui ont aussi une arme nucléaire. Je me permets de dire quand même qu'il y a des problèmes importants dans la mer de Chine actuellement. Et le Japon est aussi en train de se réarmer.
Donc moi, je pense qu'il y a des menaces classiques, du moins, il y en a partout. Il y en a quasiment sur tout le globe. Et ça n'est qu'avec les armes atomiques qu'un pays n'attaquera pas l'autre. Par exemple, on sait qu'il y a eu des radars vraiment à très très forte portée qui ont été installés, je crois, en Pologne ou en Tchécoslovaquie, enfin ex-Tchécoslovaquie. Et ces radars étaient capables de brouiller tout le système russe. Et en mesure de représailles, en fait, il y a eu des missiles Iskander qui ont été mis sur à côté de la Pologne, dans la poche de Kaliningrad, qui font que l'Europe de l'Ouest peut être rasée en 30 secondes avec ces missiles-là, quoi. Et ça, c'est bien l'équipe de la terreur. Donc, on a cru après la chute du mur donc c'était en 90, qu'il n'y aurait plus de guerre froide, ni de guerre du tout, et qu'on pouvait désarmer totalement. Bah, on voit très bien qu'actuellement, c'est tout le contraire qui se passe. On a vu le voyage de Trump en Arabie Saoudite, mais tous ces États-là sont des États qui achètent énormément d'armements. Et d'ailleurs, on peut se demander si quelqu'un n'a pas utilisé des mini-bombes nucléaires dans le conflit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Moi, j'avais vu sur YouTube, il y avait des sortes de flash et une sorte de bombe là, qui ressemblait à une petite bombe nucléaire. Bon, bah, qui la donne, ça rigole de gomme, hein, mais. Non, je pense actuellement, on est en pleine instabilité. On est vraiment en pleine instabilité. Mais Yémen est trop censuré. Histoire de Yémen, on n'entend de rien. On n'entend rien sur rien, de toute façon. Donc, on n'entend rien. On entend que ce qu'on veut bien nous dire. Par exemple, on sait très bien que Angela Merkel, elle a ouvert la porte de l'Allemagne enfin, aux prétendus migrants parce qu'on a vu une photo qui était super médiatisée d'un petit garçon qui s'était noyé. Évidemment, c'est très triste. Hein. Mais par contre, dernièrement, il y a eu un petit garçon russe de 4 ans, de 5 ans, qui a été tué par un Afghan dans un centre pour réfugiés. Et là, personne n'en parle. C'est normal puisqu'il est russe. Donc, en fait, on nous manipule à fond, hein, mais on est vraiment. Enfin, c'est une autre sorte de manipulation. C'est pas le KGB, mais c'est une sorte de manipulation soft. Et on veut bien nous dire que ce qu'on veut bien dire. Et effectivement, la guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, il y a un rideau qui est dessus. On ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas non plus ce qui se passe réellement entre l'Iran, associé au Qatar et puis les autres monarchies. Bon, enfin, c'est pas clair du tout. Hein. C'est vraiment pas clair. Et d'autant plus que là, justement, j'ai cru comprendre que notre cher président Macron, là, lui, il voulait faire des frappes préventives tout seul en Syrie. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment il va faire et ce qui va se passer, parce que même quelqu'un comme Hollande qui était. On peut critiquer, mais au moins à ce niveau-là, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas battant en guerre, qui trouve battant en guerre, du moins. On n'a pas osé. Et donc, Macron lui veut faire des frappes préventives en Syrie, de sa propre initiative, hein, bien sûr. Donc, même si les Américains font pas ça, bon, voilà. Donc, De en tout tout, cas, non, pas la pour Syrie, moi. on le frappe de tous les côtés. Tu as entendu que l'Iran, il a frappé à partir d'Iran 6 missiles destinés à la Syrie qui a passé sur l'Irak et arrivé à Deir ez-Zour. 6 missiles. Vous avez entendu ça ou non la semaine dernière? Non, je n'ai pas entendu. Alors, l'Iran, c'est la première fois dans l'histoire mondiale, est unique, c'est-à-dire un pays qui n'est pas voisin avec la Syrie, l'Iran, il y a l'Irak entre les deux, d'Iran, il a envoyé 6 missiles destinés au camp de Daesh à Deir ez-Zour en Syrie. Il a détruit et tué plusieurs installations des personnes de Daesh.
C'est-à-dire, ça, c'était missiles ouais. balistiques. Hein, mais l'Iran, les Russes leur ont fourni des missiles super sophistiqués, puisqu'Israël a même dit que. Il a été voir Poutine en disant, mais non, c'est pas possible. Donc, il y a aussi un équilibre de la terreur qui se fait entre, de manière régionale. Et à un moment, tous les jours, on entendait qu'Israël voulait attaquer l'Iran, détruire leur site nucléaire, tout ça. Voilà, maintenant, on n'en parle plus du tout. Enfin, je trouve qu'au niveau médiatique, on veut bien nous dire, enfin, on nous dit ce qu'on veut bien réellement nous dire. C'est vrai. Mais c'est vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est pas clair du tout. Mais en tout cas, au niveau du nucléaire, c'est bien parce que des pays comme, enfin, si on retrouve la Russie, c'est bien un pays comme ça qui s'est modernisé, qui, je trouve qu'ils sont une armée moins nombreuse, mais beaucoup plus efficace, avec des têtes nucléaires également moins nombreuses mais beaucoup plus efficaces. C'est bien parce que ce pays-là fait beaucoup plus peur aux Américains qu'on a un statu quo. Parce que c'est pas avec la Russie Yeltsin qu'on aurait ça. Au contraire, justement, quelqu'un comme Yeltsin, c'est Boris Yeltsin, lui, il voulait quasiment désarmer tout le pays, je crois. Et d'ailleurs, dans l'hymne de la Russie, à l'époque de Yeltsin, il ne voulait même plus de parole. Quoi. Donc des idéalistes comme ça, enfin bon, Yeltsin était alcoolique, hein, qui laisse autre chose. Mais, non, mais bon, enfin, pas qu'il laisse. Mais personnellement, il a réussi sa vie parce qu'il a fait une grande école et il a été ministre de Mitterrand. Mais sinon, franchement, c'est pas quelqu'un de... Non, c'est l'idée qu'on parle de l'idée, pas l'individu. Alors, Philippe, tu m'as pas répondu. C'est-à-dire, missiles Pershing, les Américains. Les Pershing, ouais. Pershing. Pourquoi ils l'ont nommé Pershing? Tu sais qu'il y a une avenue Pershing aussi à Porte-Maillot. Pershing, c'est un maréchal américain de la Première Guerre mondiale. Mais est-ce qu'à ton avis, ils ont nommé seulement puisque c'est un maréchal américain? Ou il y avait d'autres choses? À ton avis? Allô? Philippe? Tu es parti, Philippe? Ah, je crois que Philippe, il est parti. Vous savez qu'il vous avait l'avenue Pershing ici aussi à Porte-Maillot. Pershing, c'est Persien, c'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est 18e jusqu'au 19e siècle, l'Iran, c'est son nom, c'était Pershing. Après, on l'a changé en ami l'Iran. Alors, vous savez, au rideau français, c'est-à-dire nucléaire français, l'investissement officiel, c'était l'argent iranien à l'époque de Shah d'Iran, qui, à la demande de Charles de Gaulle, il a investi sur l'atome français. En même temps, puisqu'il avait des problèmes, puisque les Américains n'étaient pas très contents de cet investissement qui était très lourd, de plusieurs millions et même milliards. Je crois que c'était 2 milliards, mais jusqu'à maintenant, puisqu'après il y avait la révolution et tout ça, on n'a pas compris exactement quelle somme a été versée à la France. Mais l'Iran, il avait 10% de rideau français. M. Besse, qui était assassiné à l'époque, était patron de Renault. C'était dans le cadre de cette transaction, de ce problème-là. Voilà. Alors, l'Iran était associé dans le nucléaire français. En même temps, il était associé dans le nucléaire germanique, Allemagne et celle de États-Unis. Alors, les missiles Pershing, c'était un accord avec l'Iran de Shah, de Mohammad Reza Shah, avant la révolution, quand on devait le placer en Iran, à la frontière, contre l'Union soviétique. Le nom s'était choisi Pershing. Ça peut être le général, en même temps aussi l'Iran, comme BP. Comme BP, c'est benzine perse, on disait. British Petroleum aussi, on dit. Après, Bolshevik Petroleum aussi, on dit. C'était, les Britanniques sont tellement intelligents. Et ils ont créé un BP pour le pétrole. Ils l'utilisent partout dans tout le pays. Et ils disent, voilà, c'est la vôtre. C'est Bolshevik Petroleum, c'est...
benzine perse, etc. Alors, cet nombre-là aussi, c'était choisi, Pershing, pour l'investissement de l'argent de Shah d'Iran à l'époque, qui payait partout, c'est-à-dire de chaque pays, il prenait une partie de technologie de bombes atomiques, il achetait l'Allemagne, la France et les États-Unis d'Amérique. Mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95.2 FM. Radio Ici et Maintenant également, vous pouvez l'écouter en tapant ici-et-maintenant.com. C'est-à-dire à partir de votre smartphone, votre téléphone portable, vous êtes n'importe où dans le monde, vous tapez ici-et-maintenant.com et vous pouvez nous écouter. C'est génial ça, hein? Vous savez que Radio Ici et Maintenant est un des premières radios mondial, hein, qui est entré sur l'Internet. Il a connu l'Internet dans les années 90, vers 95-16. C'est un des premiers radios, sur l'Internet, et après même première radio avec l'image sur l'Internet. Et nous sommes ravis de fêter 38e année de la naissance de cette radio qui a vient de commencer depuis Fête de musique, depuis le 21 juin. Nous vous félicitons toutes et tous pour votre radio, et nous, on est là à votre écoute en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole, mes chers amis. Ici et maintenant. J'arrive quand je veux, 95.2, ici et maintenant. Vous écoutez radio, ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, vous savez, bon, je le sais, vous êtes très nombreux de faire Ramadan. Pour ça, je ne sais pas si je dois vous féliciter votre fête ou non, puisque il y a plusieurs versions. Dans certains pays, ils disent que c'est demain la fête. Dans certains d'autres pays, ils disent que ça serait après-demain et tout ça. De toute façon, si je ne vois pas, je vous dis bonne fête pour les gens qui ont fait Ramadan. Je ne sais pas si vous êtes intéressé de parler pourquoi cette variation de la dernière jour de Ramadan, au moins sur ce sujet-là, il faut mettre
à côté, histoire de chiites, sunnites, wahhabites, et choisir une seule date, c'est-à-dire on dit 30 jours, on va faire le Ramadan, et 31e jour, c'est-à-dire le premier jour du mois de Chaval, ça va être la fête. Je crois qu'au moins, on doit faire ça, c'est quelque chose pour marcher avec le temps, surtout qu'à l'époque de prophète de l'islam, ça c'était fixe. Ce n'était pas dansant, marchant le calendrier lunaire arabe, musulman, qui actuellement il est dansant, 11 jours de différents chaque année, 10 à 11 jours de différents chaque année. Ces 10 à 11 jours de différents, ça vous ramène que voilà, pendant certains temps, quelques années, 5, 6, 6, 16 ans, c'est période chaude et la journée très longue, vous devez faire Ramadan et après ça change. Et surtout que tous les pays musulmans ne peuvent pas régler leurs affaires avec le calendrier islamique et calendrier arabe. Pourquoi? Puisque les mois sont, ça bouge, c'est-à-dire mois de Ramadan actuellement c'était en été et avant été, après été, dans quelques années, ça peut être en hiver, en automne, en printemps, et tout ça. Pour ça, aucun pays musulman ne fait pas ses affaires administratives avec l'agenda, avec le calendrier arabo-musulman. Ils font seulement le Ramadan, c'est ce calendrier, seulement ils le gardent pour le Ramadan. Et surtout que ça aussi, pour le Ramadan, il y a déjà 1400 ans. Je suis un historien que je vous dis ça, je ne raconte pas n'importe quoi. À l'époque du prophète de l'islam, c'était fixe. C'est-à-dire, on essaie, comme le calendrier hébraïque, hébreu, les juifs, il y a quelques décalages pour chaque fête, mais c'est 2 ou 3 jours de décalage. Mais ça ne va pas changer chaque année de mois. C'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est quelques jours de décalage chaque année. Mais ça reste toujours dans une période fixe. Mais comme fête de Pâques ou Pessah et tout ça, ça aussi c'est lunaire. Mais ils ont essayé de le garder dans le cadre pour pouvoir faire l'agenda, le calendrier de leur pays, par exemple Israël. À partir de ça, voilà, 5717, 18. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Depuis plusieurs siècles, le calendrier islamique, il avance, il marche et il change de saison tous les quelques années. Et pour ça, pour rien faire. De toute façon, tout ça, je vous dis que voilà. Alors, je vous souhaite bonne fête, mais ça sera bien, ça sera bien, ça sera bien, qu'au moins pour fêter votre fin de Ramadan, le monde musulman soit uni. Un jour seulement. Parce que moi, j'avais 3-4 personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, c'était des musulmans. Et il y avait deux qui disaient demain c'est la fête, et les autres ils disaient non, c'est après-demain. Non. En plus, ils sont. Ah, quand tu dis, oh, l'autre il a dit aujourd'hui c'est la fête, il est fâché. Ah non, 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 non. Je dis ok, basta, c'est bon. Merci. Voilà. C'est quelque chose que je voulais vous dire. Hein. Vous savez, David, il vous dit tout. Tout et tout. Et vous avez la parole, le sujet vous pouvez le choisir. Il reste encore quelques minutes, beaucoup, 50 minutes que je vais être avec vous jusqu'à 1h du matin. Et en composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Et vous avez entendu également, alors vous n'avez pas entendu le missile d'Iran, de Kurdistan iranien, vers la Syrie, c'est-à-dire les missiles, il est traversé. Et deux pays, l'Irak et la Syrie, 650 km. Après, ils ont dit ça, nous avons fait pour répondre à 2 attentats terroristes qui étaient à Téhéran la semaine dernière. Mais tout ça, c'était pour montrer leur force, surtout qu'ils étaient menacés par les Américains d'être attaqués ou je ne sais pas quoi, ces missiles. Vous savez, certains missiles, je viens d'apprendre récemment, à l'époque, ils achetaient les missiles. De Corée du Nord à 2 500 000 $ chaque missile. Après la chute de l'Union soviétique, les petits États de l'Union soviétique qui devenaient indépendants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs missiles avec un prix tellement, tellement, tellement bradé et pas cher.
Alors, 2 500 000 dollars en achetant un missile, après l'Union soviétique est tombée, déchirée, l'ex-État d'Union soviétique, il vendait chaque missile à 750 000 ou 75 000. J'ai oublié un des deux, enfin. Je crois que 75 000 dollars, c'est-à-dire les prix étaient baissés tellement. C'est pour ça qu'il y rend, au lieu d'acheter les missiles, il a acheté les têtes et il a commencé à fabriquer chez lui. Et c'est pour ça que même il est actuellement capable d'envoyer le satellite. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez entendu l'attentat en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on était en train de préparer 3 à 5 attentats. 3 à 5 attentats, surtout à la Mecque. Alors, les Saoudiens, ils ont réussi de localiser ces attentats. Et imaginez-vous, ça c'est très intéressant ce que vous allez entendre. Deux ennemis qui sont en train de faire la guerre, soi-disant en Yémen, en Syrie, vous savez, c'est la guerre d'Iran avec l'Arabie Saoudite, c'est de là qu'ils font la guerre. Ce n'est pas notre guerre, même en Libye, toutes les guerres, c'est les pétrodollars qui profitent économiquement, mais de l'autre côté, les imbéciles, c'est les deux pays, Iran et l'Arabie Saoudite, qui même de l'autre côté, les innocents de l'Occident, ils tombent dans ce combat. Alors, ces deux pays qui sont en guerre, imaginez-vous, regardez-vous, ce que David va vous dire, c'est très intéressant. C'est l'Iran qui avait donné des informations concernant Daesh à l'Arabie Saoudite, qu'il a pu échouer les 3 ou le 4 ou les 5 attentats qui étaient très mortels s'il aurait été effectué. Hier, c'est l'histoire d'hier, hein, c'est-à-dire c'est vendredi. C'est l'Iran qui a donné les informations, c'est Pastaran iranien, ils ont donné les informations, mais ils ne vont pas le dire, peut-être, je ne crois pas, puisqu'ils sont en guerre. Mais c'est très comique. Imaginez-vous, l'Iran, il combat l'Arabie Saoudite en Syrie. À son côté, c'est qui? C'est l'Occident complète, c'est-à-dire soit l'Europe et les Américains et les Russes. Ils sont en faveur de Bachar Assad. Bachar Assad, c'est qui? C'est l'Iran. On fait la guerre en faveur d'Iran, en faveur de Bachar Assad en Syrie et contre Turquie aussi, parce que Turquie et l'Arabie Saoudite sont unis là-bas. D'accord? Imaginez-vous, regardez-vous, parce que pour vous voyez comment la politique est très sale et compliquée. Qatar, vous avez entendu le problème. Alors Qatar, Arabie Saoudite, embargo contre Qatar. Les deux pays qui aident Qatar dans le quartier, c'est l'Iran et la Turquie. C'est-à-dire qu'ils sont en bonne relation avec Qatar, la Turquie et l'Iran qui sont en train de se battre en Syrie. Et bien sûr les Américains. Les Américains aussi sont avec Qatar, la France aussi, parce que vous savez, grand investissement de Qatar ici en France. Alors, ça c'est Qatar. Autre chose qui est très intéressante, mes chers amis, c'est quoi encore? Imaginez. Comment on tombe dans le piège de je ne sais pas qui. Yémen, on vient de parler avec notre ami Philippe. Yémen, il y a la guerre. C'est l'Arabie Saoudite qui attaque là-bas. Tac, 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 tac. Bombardement quotidien contre Houthi. Alors, qui défend l'opposition, soi-disant, de Yémen? L'Iran et Turquie et Qatar. C'est-à-dire. Et là-bas encore, c'est les Américains qui sont à côté des Saoudiens, le contrôle de la Syrie. C'est-à-dire en Syrie, les Américains sont à côté d'Iran contre Daesh, mais en Arabie Saoudite, à Yémen, ils sont à côté de l'Arabie Saoudite pour écraser les mouvements révolutionnaires ou je ne sais pas quoi de Daesh. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est ça la politique. C'est ça la guerre. Alors pourquoi devenir bijon et être manipulé par les grands? Vous avez entendu ce que je vous dis? Est-ce que vous avez compris l'histoire? Franchement.
David Abbas, il n'a pas compris. Mais vous, je sais que vous avez compris. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. GPA, qu'on a parlé au départ de notre émission, est très intéressant pour vous, toutes et tous. Vous savez, GPA, c'est quoi? Avoir des enfants, des couples, des enfants, quoi? Par les mères porteurs. Et ça, c'est, il y a, comme vous pouvez constater, dans le monde de contestation, en disant, on est en train de marchandiser, c'est une marchandisation humaine. On dit une marchandisation des femmes. Non, aussi des enfants. Des enfants qui vont être fabriqués par cet moyen, c'est-à-dire sous le commande. Et les femmes aussi, les femmes qui n'ont pas l'argent, ça devient un commerce. C'est déjà ou non un commerce, vous savez. Beaucoup des articles à ce sujet-là. La marchandisation des femmes. Que l'homme, puisque après si vous avez l'enfant qui va être né, aussi est dedans, ça c'est un peu grave, moralement non, ça peut être grave. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier, et surtout qu'aujourd'hui c'était Gay Pride, cette histoire d'homosexualité c'est autre chose, mais ça c'est une autre chose à part, c'est-à-dire ça s'était rajouté après. Surtout qu'actuellement, vous savez, vous n'avez plus le droit de critiquer l'homosexualité. On ne va pas entrer dans ce domaine-là non plus. Mais l'autre domaine qui n'est pas encore légalisé en France, si le bombe atomique, vous pensez, ça ne vous intéresse pas, vous voulez laisser tomber Paul Kiles avec son équipe, alors, GPA, est-ce que GPA, nous sommes de n'importe quelle croyante, de n'importe quelle religion, de n'importe quelle tendance dans le monde, philosophique, idéologique, politique, est-ce que ça peut marcher? Ça peut, surtout que depuis ce matin, on a commencé de nouveau à parler à ce sujet-là. Et imaginez-vous, si c'est une force, soit derrière cette idée, comme beaucoup de choses qui étaient légalisées, va être légalisées. Et après, imaginez-vous, je crois que le travail
d'une partie des femmes, ça sera d'être femme porteur et porter les enfants des autres moralement. Et moralement, voilà, si c'est quelque chose que vous l'acceptez, oui ou non, aussi ça peut être un de nos sujets, de vos expressions, vous pouvez vous exprimer et nous donner vos amis, vos avis, pardon. En composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Et comme vous le savez déjà, avec votre téléphone portable, en tapant ici-et-maintenant.com, comme avec votre ordinateur ou votre iPad, vous pouvez nous regarder et vous nous écouter. Voilà. Je vous dis coucou aux gens qui sont en train de nous regarder, mes chers amis. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Maintenant, non, 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 ici, ici, et maintenant, non, non, ici, ici, et maintenant, non, non. Non. J'arrête quand je veux 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici. Voilà, voilà, c'est ici maintenant sur 95.2 FM et nous avons Farid avec nous. Bonsoir, monsieur Farid. Bonsoir, monsieur David Abassi. Comment ça va? Ça va bien. Et vous, monsieur Farid? Bon, moyen. Tu ne vas pas m'insulter ce soir, j'espère. Parce que je vais m'insulter. Hein. Ah, d'accord. Bonsoir, monsieur Farid. Insulté? Non, laisse tomber. Attends, tu commences mal parce que tu demandes, tu me dis, tu ne vas pas m'insulter. Est-ce que je t'ai déjà insulté? Je t'ai jamais insulté, j'ai jamais insulté personne. Est-ce que tu es devenu musulman ou pas encore? Allô? Je t'écoute. Je te demande, est-ce que tu es devenu musulman ou pas encore? Tu sais que c'est interdit de faire des propagandes comme ça, essayer de faire musulman les autres, hein, ça c'est interdit. C'est interdit ça? C'est interdit ça, hein. Ça c'est interdit. Ah bon? Ah oui. Bon, c'est une question, hein. Pourquoi tu n'es pas devenu comme moi? Ben c'est quoi toi? Moi, tu ne me connais pas encore alors? Non, j'ai jamais su de quelle religion tu étais. Ça fait combien d'années que nous sommes, que tu me connais comme ça? Oui, mais t'as jamais dit quelle religion. J'ai dit 1000 fois. Ah, mais écoute, j'ai dit 10 000 fois. Une question. Ça fait des années qu'on se connaît. Oui, c'est vrai, oui. Moi, je t'aime bien. Ça fait combien d'années? Tu me fais rigoler, David. Je sais, toi aussi. Ça fait combien d'années qu'on se connaît, Farid? Oh, ça fait très longtemps, je n'ai pas compris. Dis-moi, combien d'années? Oh, ça fait plus de 20 ans. Hein. Voilà. Tu vois que tu es vraiment un phénomène un peu spécial, hein, puisque ça fait plus de 20 ans que tu nous écoutes, que tu me connais. Après toutes ces années-là, tu vas me faire devenir transférer un musulman, premièrement. Et deuxièmement, tu ne sais pas qu'est-ce que je pense philosophiquement.
Ça, c'est, ah non, 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 mais écoute, on peut toujours s'améliorer dans la vie. Hein. Ah, là, t'es, vraiment, t'es comique, toi. T'es comique. Personne n'est parfait. Hein. Tu sais, hein, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas ton eau, tu sais. Hein. Non, non, mais moi, je pense que ça ne devrait pas être interdit de dire à quelqu'un de suivre le bon chemin. Ah, ah voilà, c'est ça ici, c'est ça ton problème. Bravo, merci. C'est pas Farid. Un problème. Merci, non, non, c'est une mission. C'est-à-dire, tu c'est penses mission. Que toi, tu fais le bon chemin, un copain que tu le connais depuis 20 ans, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il pense, puisqu'il ne jamais écoute ce qu'il te dit. C'est-à-dire, tu ne m'as pas écouté depuis 20 ans. Voilà. Tu écoutes. Si, si, je t'ai écouté, mais je crois que tu étais dans, dans le. Permets-moi. Non, écoute-moi, David. Tu étais dans la perdition. Parce que tu te trompes beaucoup, en fin de compte, sur l'islam. Non, quand tu parles de l'islam, écoute-moi, écoute-moi, quand tu parles de l'islam, je t'ai jamais entendu dire que l'islam c'était une religion respectable comme toute autre religion. Tu dis toujours l'islam c'est mauvais, c'est pas bien, c'est pas juste. T'avoues que tu es un carteur. Et en plus, tu n'es pas un bon musulman, tu n'es pas musulman, puisque tu dis n'importe quoi, tu dis des mensonges sur quelqu'un qui est présent. Ça, je t'assure que toi, tu n'es pas musulman. Attends, je vais te dire autre chose ici. Farid, je vais te dire autre chose. Tu n'es pas d'abord musulman. Et deuxièmement, tu sais que moi, je vais te dire, voilà, moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, d'accord? Oui. Je crois c'est en bien. Dieu. C'est bien, c'est déjà une bonne plus, chose. Écoute bien. En plus, moi, je crois en Dieu. Je ne plaisante pas. Trois fois sur cette antenne, j'ai donné l'exemple. Trois fois. Et je suis devenu, qu'est-ce qu'on peut dire? Voyant ou traduit le rêve des gens, tu sais que tout ce que j'ai dit c'était vrai, sur cette antenne trois fois. Mais non, traduire les rêves, écoute-moi, traduire les rêves, c'est pas une science exacte, hein. C'est, tu sais, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Écoute-moi, je n'ai pas terminé. Et ça c'était arrivé exactement ce que j'avais dit. Non, ça, je vais te dire quelque chose. Et dans ma vie, depuis que j'étais enfant, petit, jusque maintenant, le plus proche, il me connaît. Moi, plusieurs fois, j'avais dit, voilà, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Dans les politiques, si tu m'avais écouté, tu le savais, et j'avais dit beaucoup de choses qui étaient devenues vraies, beaucoup, beaucoup de choses, si tu avais écouté mes émissions qui sont... Bon, d'accord, écoute-moi, David. Toi, tu es né musulman ou tu es né d'une autre religion? Je ne veux pas te répondre à quelqu'un qui ne connaît rien du tout de David, moi. Non, 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 mais bon, écoute, ma vie, moi je te pose une question. Est-ce que tu es né dans la religion musulmane ou tu es né dans une autre religion? Moi, ma vie, tout le monde le connaît puisqu'il est accessible à tout le monde. Voilà, actuellement, rien n'est tu caché. Tu ne veux pas répondre, tu ne veux mais, pas répondre. Mais je vais te dire pourquoi, une chose. Pourquoi tu ne réponds pas? Attends, je vais te répondre. À toi, je ne vais pas te répondre, à toi. Puisque toi, tu n'écoutes pas. L'exemple, c'est ça. Tu viens de dire, ce que tu viens de dire, comme quoi... Tu ne réponds jamais. Tu ne réponds jamais aux questions. Farid, tu viens de dire que toi as le meilleur chemin du monde. Déjà, tu as tort et déjà, ton Dieu, il ne t'aime pas. Parce que jamais, il ne faut pas dire que moi, j'ai le meilleur chemin du monde. Grave. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Dis-moi maintenant. Qu'est-ce que tu voulais non, dire? Non, moi, je ne sais pas, parce que j'ai pris l'émission en cours. J'ai entendu David. J'ai entendu David Abbassi. J'ai dit, tiens, je l'aime bien. Je t'aime bien, en vérité. Merci. Je t'aime bien. Mais depuis le temps que je te connais, je n'ai jamais entendu un jour de ta bouche dire que l'islam, à chaque fois que tu parles de l'islam, c'est pour dire du mal. Tu n'as jamais dit du bien sur des musulmans. Jamais. Alors. Est-ce que tu vas écouter une minute et tu vas enregistrer? Je vais te répondre. Est-ce oui. que tu vas écouter et tu vas enregistrer, s'il te plaît? Oui, oui. Merci. Tu prends un papier et un crayon et tu le notes. Puisque je t'avais dit la dernière fois que tu étais sur mon antenne, il y a déjà 2 mois, c'est la même chose que je vais te dire tout de suite, maintenant aussi. Et tu dis que je n'ai jamais dit. Moi, je vais le dire à toi, surtout à toi. C'est toi qui ne comprends pas. Et je te prie de noter ça. De notes, puisque après je vais te demander si tu as bien noté ou non, parce que ça aussi c'est un problème. Regarde David, Farid, à mon avis, moi je suis un philosophe islamologue, à côté de l'islamologie, je connais toutes les autres religions, je suis un historien. Pendant des années j'ai fait des études avec mes diplômes et tout ça, je suis un connaisseur, c'est mon métier, comme un médecin, comme un ingénieur. Voilà. Moi, je pense, il y a deux islams.
un islam qui est islam de la paix, de la gentillesse, qui est bien, un islam, c'est, qui est bien, gentil, humain, voilà. Il y a un autre islam, que je l'ai nommé islam politique. Après Valls et beaucoup d'autres hommes d'État dans le monde, ils l'ont nommé islam violent, islam terroriste, comme Fionn, comme beaucoup d'autres personnalités, hein. Dans le monde, ils l'ont nommé deuxième islam, qui moi je l'ai dit islam politique. Ils ont rajouté en disant islam politique, c'est un islam terroriste, violent, fanatique. Et ces deux islams sont en guerre en plus. Et ils n'ont aucun lien ensemble. Ils sont en guerre. Mais les deux, c'est de l'islam. Les deux, ils lisent le verset du Coran. Celui qui coupe la tête, il dit, il lit un verset de Coran et il coupe, il dit, voilà, c'est cette verset-là qu'il dit, coupez la tête, coupez les mains, coupez les doigts et tout ça. Et celui qui dit l'islam est gentil et est bien, lui aussi, il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, c'est-à-dire le Dieu, il est gentil, le Dieu, il est médic, patati patati. Alors, ce que je te dis, je t'ai répondu, j'espère, et tu as bien entendu, il y en a deux islams, Aziz, un islam, c'est l'islam de la paix, et l'autre, c'est l'islam politique, terroriste et violent. Ah, c'est pas possible. Écoute-moi, David. Tu sais combien de musulmans il y a sur la planète ? Allô ? Allô ? Tu me poses pas des questions, tu parles, s'il te plaît. Hein? D'accord ? Bon, il y a plus d'un milliard. Il y a plus d'un milliard 200 ou 300 millions de musulmans sur la Terre. Hein ? Et il y a peut-être 5% ou 3% de salopards, d'imbéciles, d'idiots, de terroristes. D'accord ? Et on parle que de ceux-là, on ne parle pas des autres. Merci. Il vaut mieux parler quand même de ceux qui sont bien, quand même, un peu, quand même, de temps en temps. Ça... Merci, merci, Farid. 5% de 1 milliard, ça fait combien, s'il te plaît ? Merci. Oh, moi, je ne sais pas calculer. Moi, je ne sais pas, moi, 5%, ça fait, on va dire, 50 millions peut-être, je ne sais pas, moi. Ou 5 millions, je ne sais pas, 5 millions. 5 millions. Peut-être qu'il y a 5 millions de musulmans qui sont dévoyés, c'est-à-dire qui sont méchants, pas bien. Mais tu sais que dans toutes les religions, il y a des gens bien et des gens pas bien, dans toutes les religions. Pourquoi tu parles pas de la majorité, tu parles de la minorité tout le temps? Alors, c'est une minorité qui va faire la loi ou c'est la majorité? Il faut regarder la majorité, il ne faut pas regarder la minorité. Nous-mêmes, en tant que musulmans, on condamne les terroristes, on les condamne tous. Et pourtant, on n'est pas entendu. On n'entend que toujours le côté comme on dit à la SNCF, les trains, ils sont en retard. Il y a un train qui arrive en retard, il y en a 1000 qui arrivent à l'heure. Ok, maintenant, je te coupe, je baisse le son pour pouvoir te répondre. Puisque tu as parlé de 3 minutes, moi je vais te répondre. À une minute. Une minute, je vais te répondre. Écoute, Baba, moi je prends tes propos à toi, que tu as dit 50 millions. Après, tu as dit 5 millions. Tu as dit 5 millions de connards, il y en a, 5 millions de terroristes, islam terroristes, il y en a. C'est ça, moi je prends ici. Mon ami, il faut combattre ces 5 millions. Il faut combattre, puisque ils sont en train de combattre l'humanité. Puisque ils sont en train de tuer. 5 millions, 5 personnes. 5 personnes, c'est trop, c'est beaucoup. Une personne, quand ils font des actes terroristes, il y en a une seule personne qui va tuer plusieurs centaines de milliers de gens. Alors imagine-toi 50 ou 5 millions de terroristes, c'est grave dans le monde, mon ami. Il faut combattre, exterminer les minorités terroristes. Comme dans la dernière élection présidentielle, on n'a pas dit que l'extrême droite, c'est 30%. Le nombre 10 millions, ce n'est pas le 10 millions qui est en cause, c'est la tête de parti. Ces 10 millions, c'est les compatriotes français. Alors, ils ont choisi ça, ils ont voté. Mais par contre, les terroristes, c'est le million que tu dis. Que si on prend 5 millions ou 50 millions, même 500 000, mon ami, c'est dangereux. C'est dangereux. Adam Jazari, il était une seule personne sur Champs-Élysées. Une personne, c'était une personne. Il voulait tuer tout ce qu'il avait. Il pouvait tuer 9 000 personnes, puisque munitions, il en avait 9 000. Une personne, il peut détruire plusieurs vies humaines. C'est dangereux. Nous, si tu es bien, tu n'as pas besoin d'être récompensé. Tu devais être bien.
Tu n'es pas, moi, je n'ai pas obligé de te remercier quand toi, tu fais ton boulot. Quand tu es un bon musulman ou un bon humain, un être humain, tu fais ton travail comme un boulanger, comme une boucherie, comme un supermarché, ils vendent, et il est correct, il est honnête. On n'a pas besoin de le critiquer, de le dire. Même pas, on n'a pas besoin de le remercier puisqu'il fait son boulot. Mais celui qui le vole, il met une étiquette d'euros et quand tu prends la marchandise, tu vas aller à la caisse, la personne te compte 4 euros. Tu dis, madame, c'était 2 euros. Il dit, non, c'est 4 euros. Venez voir. Il vient le voir. Il dit, ah oui, c'est une erreur d'informatique. Non. Il n'a pas bien fait son travail. Un terroriste, un fanatique, même si c'est 500 personnes, actuellement en France, on dit qu'il y a 15 000 fichiers S. 15 000. C'est beaucoup, 15 000. Bah, toi, ce que tu dis, mon ami, c'est comme toi que tu as dit tout à l'heure, comme quoi tu as la meilleure religion du monde, et même David Abbasi doit venir t'accepter. Toi qui tu ne sais même pas lire le Coran, toi qui tu ne connais même pas lire un verset du Coran, je t'avais demandé déjà. Moi qui je connais le Coran, je peux traduire en plusieurs langues en plus. Et moi, je ne connais rien, je dois venir accepter ta croyance à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoute cette musique encore, c'est mieux. Et on va prendre. Où ça? Ici. Quand ça? Chantal, Daniel, Abdelkarim, vous pouvez revenir. Ça y est, je suis désolé, ça a pris du temps, vous êtes parti. Même Farid, il est parti lui-même, hein, il est parti. Je ne l'ai pas coupé, hein. Il est parti même lui-même. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole, mes chers amis. Venez nous voir. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbasi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Ici et maintenant, non, 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 ici et maintenant, non, non, ici et maintenant, non, non. Non. J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. C'est très intéressant d'avoir des amis comme Farid, hein, comme ça, ils nous donnent la force pour continuer notre combat pour l'humanité. Parce que l'individu, mon cher Farid, l'individu qui croit que lui, il a le meilleur pensée, excusez-moi, hein, tu m'excuses puisqu'on est copains, hein, puisqu'on est copains.
Il y a un film à l'époque qu'on avait fait, à l'époque de caricature de Mahomet. Il y a un film que moi aussi je joue dedans gratuitement, Sarkozy et tous les autres, Charlie Hebdo, il joue dedans. Comment poète aimé par les cons. C'est le titre du film, vous pouvez aller le regarder, même si vous voulez. Comment un poète aimé, je crois que voilà, c'est ça. Comment un poète aimé par les cons. C'est-à-dire l'individu qui, dans le 21e siècle, ne sait même pas manipuler, je ne sais pas quoi. Il pense qu'il a les meilleures pensées du monde. Ça, mon ami, c'est quelque chose à réfléchir. Tu as tout à fait raison. Je suis tellement ravi de te voir en ligne. Je suis tellement ravi. Merci, Farid. Puisque des gens comme toi, il y en a plein, malheureusement. Il y en a plein. Chaque jour, je les rencontre, je parle avec eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me cache. Non, je parle avec les gens. Je crois encore les gens, je vois les gens, vous aussi, vous êtes très très nombreux de penser que le paradis, c'est un autre monde, peut-être un autre planète, vous ne dites pas, mais vous dites un autre monde, avec plein d'immobilier. C'est-à-dire le Dieu, votre Dieu bien sûr, parce que mon Dieu ce n'est pas votre Dieu. Le Dieu de Bouddha n'est pas votre Dieu, le Dieu de Zarathustra n'est pas votre Dieu. Le Dieu de Moïse, Jésus, n'est pas votre Dieu. Parce que, oh, ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça. Le Dieu n'est pas un agent immobilier. Je suis tellement ravi, dernier jour de Ramadan, de dire ça. Parce que ce qui te vient de dire en plus, 1 milliard de musulmans, c'est, par contre, je veux te dire ça. Les musulmans, les vrais musulmans, c'est très peu. Parce que la plupart des gens sont laïcs, rationnels, modernes. Les gens qui ne croient pas qu'ils ont le meilleur. Ils ont le meilleur, jamais eux-mêmes ils ne le disent pas. Même dans ton Coran, jamais ils ne disent pas que. Pendant certains temps, il dit, mais pendant certains temps, il ne dit pas. Alors, Dieu n'est pas un agent immobilier de créer plusieurs tilliards, pas milliards, tilliards de châteaux pour les gens qui sont venus dans ce monde. Depuis 2 milliards d'années, parce que l'homme existe depuis 2 milliards d'années, c'est-à-dire même si tu fais 2 milliards de planètes comme celle que nous avons aujourd'hui, et tu fabriques là-dedans des châteaux, encore il va manquer des châteaux et des rivières avec du vin. C'est pour ça, je vais te dire, puisque tu as demandé, je vais te dire, vous dites Ma'at, c'est-à-dire retour, Yawm al-Akha, le jour de jugement. Tout ça, ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. C'est spirituel. C'est notre esprit qui revient chaque fois. Le cœur, il devient fatigué, ou il va être abîmé dans un accident, ou il va être détruit dans un attentat, etc. Le corps, c'est le vêtement, il s'en va. Mais la lumière qui est dedans, c'est l'esprit. Cet esprit-là, de nouveau, il va revenir. C'est pour ça que les bouddhistes, ils pensent qu'il va revenir à partir d'un autre bébé, n'importe où dans le monde. Ça peut être celui qui meurt ici, il peut renaître son esprit aux États-Unis, Chine, je ne sais pas où. C'est-à-dire, tout ce que tu vas penser, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs. Et c'est l'esprit qui va revenir, pas le cœur. L'esprit ne viendra pas, c'est le cœur. En plus, si tu as le temps, Farid et les autres, je vous conseille de voyager en Turquie et vous allez à Leva Iskandarun. Seul endroit, chez les bouddhistes, vous pouvez aller, c'est autre chose, mais ça va être un peu compliqué. Puisque vous êtes musulman, je conseille les musulmans d'aller en Turquie, Leva Iskandarun. Et vous allez voir les chefs de Leva Iskandarun, chefs religion, enfin voilà. Il y a une religion musulmane, hein. Vous avez Sunniti, Tambali, Shafi, Maliki, tatatatatata. Il y en a une aussi secte, on peut dire, voilà, que je ne veux pas citer son nom. Allez-y, faites votre recherche. Mais seulement vous allez à Iskandarun en Turquie. Là-bas, vous allez voir les gens. Les chefs de cette religion, que chaque année, ou tous les 2 ans, 3 ans, ils trouvent des enfants qui naissent
Il a 6 ans, 7 ans, 9 ans, 8 ans. Il dit, moi j'habitais dans tel endroit. Il donne l'adresse de cet endroit. Ils vont noter. Après, on prend cet enfant, on va le ramener dans le nord de la Turquie, ou en Iran, ou en Liban. Ou en... Et exactement l'adresse qu'il a donnée, on le trouve. Et l'individu, il raconte son histoire là-bas, qui vivait là-bas. Après, on fait des enquêtes. Quand on fait des enquêtes, on fouille dans l'histoire. On peut constater que, ah oui, il y a déjà 150 ans, ici il y avait un village. Après, il y avait une catastrophe qui est venue, il a détruit. Tout ça, cet enfant-là, il raconte. Moi-même, dans les années 80, j'ai voyagé en Turquie et j'ai rencontré ces gens-là. Ce que je vous dis, ce n'est pas de théorie. Je suis laïque, rationnel. Mais regarde ce que je te dis. Ce que je te dis, ce n'est pas ni laïque ni rationnel. Et je sais bien que ce n'est pas un coup monté non plus. Ce n'était pas des coups montés, puisque j'ai resté là-bas pendant un certain temps. C'est pour ça que j'ai appris le turc là-bas, et avec, parmi ces gens-là, et on voyait des choses qui vraiment c'était réel. C'est-à-dire, tu voyais le retour de l'esprit chez les autres. Alors Léa, c'était Lila ou Léa? Elle est partie. Vous ne devez pas partir, au moins quand vous restez 2 minutes en train de parler. On vous prend 2 minutes, 3 minutes, c'est rien du tout. Vous partez vite. Vous pouvez revenir. L'autre c'était quoi, Sarah et Lila, vous pouvez revenir. Je suis désolé, mais on était obligé de répondre à Farid. Cette anecdote là que je vous ai donnée, retour de l'esprit, je ne parle pas beaucoup de toutes ces choses là puisqu'il y a beaucoup de charlatans qui vont profiter de la gentillesse des gens. Je suis désolé, de la gentillesse et de l'imbécilité des gens, de deux côtés, hein. Après ils vont profiter. Mais n'oubliez pas, jamais il ne faut pas dire que moi, j'ai la meilleure religion du monde. Non, même le prophète de l'islam, il disait « Ana basharun meslekum ». Je suis un bachar, un être humain comme vous. C'est tout. Même lui-même, il ne disait pas que j'ai... C'est vrai, je vous dis une chose, dans le Coran, il y a beaucoup de contradictions. Tu peux me donner un autre verset qui dit non, à l'islam, ya'lou wala ya'lou alay, innad-din indallah et l'islam. C'est dans le Coran même, après qu'il dit la seule religion reconnue chez Allah, c'est l'islam. Mais jamais il ne dit pas que c'est le meilleur. Il dit la seule religion reconnue chez Allah, Allah aussi c'est le dieu des Arabes. Parce que le dieu des Arabes, il s'appelait Allah, alef et l'âme, c'est-à-dire l'eau ou l'air. Plus Ella, Tarif, Alef, Lam, Allah. Mais sinon, le Dieu chez les chrétiens, c'est Rab. Il, chez les juifs et chez les autres, le Dieu, même le nom et l'expression, ça varie. Ce n'est pas la même chose. Si vous voyez que les chrétiens et les juifs qui sont dans le pays musulman, ils utilisent Allah au lieu de dire Dieu. C'est pour le respect pour les musulmans. Allah, c'est le plus grand statut qui était dans le Mecque, qui appartenait à Quraysh. Il s'appelait Allah. Les autres, c'était Elah. Mais celui-là, puisqu'il était le plus grand, c'était Allah. C'est-à-dire, il avait Aleph et Lam. Les Arabes, ils comprennent qu'est-ce que je dis. Les Arabes, ils comprennent. Pour ça, quand il dit « Din indallah islam », ce n'est pas un des rabs, un des dieux. Le dieu, c'est autre chose. Je suis désolé, je les avais dit tout ça pendant plusieurs fois, dans les années passées, tout ça. De nouveau, on est en train de vous dire. Mais soyons un peu plus intelligents et ne pensons pas que nous avons le meilleur du monde dans notre main. Comme ça, jamais on ne va pas bouger, jamais on ne va pas lire d'autres choses, jamais on ne va pas. Parce qu'on dit, oh! Comme on disait à l'époque, on détruisait. Ibn Khaldoun, il écrit. Nord d'Afrique, vous connaissez Ibn Khaldoun, le berbère. Ibn Khaldoun, il écrit. Il dit, les Arabes, quand ils venaient chez nous, les musulmans, c'est-à-dire ils venaient en Nord d'Afrique, d'Arabie Saoudite, les soldats, ils détruisaient nos bibliothèques anciennes. Les Kahanais, vous connaissez, les berbères, c'est 5 millions de civilisations. Ils avaient... Mais la médecine, la pharmacie, les berbères, c'était des grandes civilisations. Il y avait des bibliothèques, il y avait sociologie. Ibn Khaldoun, premier sociologue du monde. Alors, Ibn Khaldoun,
Il disait, quand il venait chez nous, il détruisait toutes nos bibliothèques. On disait, pourquoi vous faites ça? Il disait, ces livres, oh, ils sont contre le Coran. Oh, ils sont pour le Coran. S'ils sont contre le Coran, on doit le détruire. S'ils sont pour le Coran, ok, nous avons le Coran, nous n'avons plus besoin de ça. On le détruit. Ça, c'était un crime. Détruire les sciences, parce que dans chaque livre, il y avait des sciences. Ce n'était pas des romans. Ce n'était pas des histoires. Vous aviez astrologie, philosophie, médecine, les livres de la pharmacie, les livres de géographie, qu'il y avait le plan du monde dans les bibliothèques. On les a tous détruits. Et partout en plus. Et tous les grands historiens racontent ça. Ça, tout ça, ça a été fait après le prophète, parce que lui-même, il n'a pas fait ça. Mais les autres, ils ont fait ça. Ils ont détruit. Mais après qu'ils ont détruit, quand ils avaient le pouvoir, quand ils sont devenus rois, califés, je ne sais pas quoi, ils ont dit, ah, ils ont besoin de d'autres choses que le Coran. C'est quoi? Ils ont besoin de dentistes, couches-femmes. Ils ont besoin de cardiologues. Ils ont besoin de, voilà, de la pharmacie. Ils disaient, les autres, qu'ils faisaient de la pharmacie, à l'époque, ils disaient, c'est hashishin. Et c'est hashish, c'est de hashish, c'est de drogue. Ils ne savaient pas que c'était des pharmaciens, ils fabriquaient des médicaments. Ils étaient ignorants de cette science et ils nommaient cette science-là de drogue. C'est pour ça que drug store, vous avez toujours drug store au lieu de pharmacie. Ça restait même jusqu'à maintenant. On ne savait pas. On ne savait pas que drogue, ce n'était pas de drogue, c'était de la pharmacie. Alors, la première chose que quelqu'un qui commence à faire mal contre les autres, c'est ça qui est dans sa tête, comme quoi il a les meilleures pensées du monde. Après, il ne réfléchit plus, il ne recherche plus, il ne s'investit plus, et il reste comme les paysans, comme les gens de désert, il y a déjà plusieurs centaines d'années, 1400 ans, comment ils étaient, ils restent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils disent, j'ai le meilleur. Non, ce n'est pas le meilleur, je suis désolé. Même de votre prophète, je vais citer, Mahomet, ou si vous voulez, Mohammed, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, « Ot le bel elm hatta fichin », c'est-à-dire, « Allez-y, cherchez la science ». Même s'il est en Chine, la distance à l'époque entre Mekka et la Chine, c'était trop loin. C'est pour ça qu'il disait, s'il y a la science là-bas, allez-y le chercher. Il parlait de ça aussi. Et toi, tu dis, ce n'est pas toi, parce que vous êtes très très nombreux. La plupart de ces gens-là, même je veux bien avec plaisir consacrer une émission, venez nous dire, c'est quoi paradis à votre idée? Le paradis, c'est quoi? Je suis sûr et certain qu'une grande partie parmi vous, vous croyez que le paradis, c'est des châteaux qu'on va vous donner une fois que vous êtes mort. Non, mon ami. Oh, je ne veux pas vous dire que si je ne dis pas ça, non, il ne faut pas. Non, c'est la vérité, il faut le dire. Il faut le dire. Om Kultoum, elle vous a chanté les quatrains d'Omar Khayyam. Vous les écoutez tous les jours. Om Kultoum, vous l'écoutez encore, les quatre ans d'Omar Khayyam. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il n'y a pas d'un autre monde, il n'y a pas d'un autre renaissance physique et identique. Abdallah, il ne viendra plus Abdallah. Peut-être dans la prochaine vie, tu vas être Jean-Pierre, Jean-Paul, Leïla, peut-être tu vas être Sarah, Brigitte. C'est ça la vie. Et si vous ne comprenez pas ça, si l'individu ne comprend pas ça, le danger, ça existe. Le danger, ça vient d'où? Il dit, c'est moi que je pense bien, c'est moi que j'ai la meilleure religion et je dois détruire tout le monde. C'est pour ça qu'avec la camionnette, avec je ne sais pas quoi, je vais aller écraser tout le monde. Tout le monde. Sans voir l'identité des gens. Il dit, puisqu'ils sont en train de boire, puisqu'ils ne portent pas hijab, alors j'aime. Je vais renverser ma voiture sur ces gens-là, je vais les tuer. C'est ça l'origine des idées terroristes.
c'est le visage et l'acte qui compte pour eux. Oh, ils sont en train de boire de la bière ou je ne sais pas quoi. Et eux, ils n'ont pas le hijab, alors ils méritent d'être tués. Pour la plupart des massacres, c'est comme ça. Et si vous n'avez pas lu l'histoire de Daesh qui est tellement récente, allez-y voir combien de têtes ils ont coupées, ils sont en train de couper, combien de femmes ils sont tuées, combien d'enfants ils sont tués, les enfants qu'ils ont tués, les enfants. Vous ne savez pas, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas, ils ont tué les enfants par centaines, les enfants. Après, une partie, ils ont vendu les organes de ces enfants-là, c'est-à-dire qu'il y avait un crime, un trafic des organes des enfants aussi en même temps. Ils les ont tués, pourquoi? Puisqu'ils étaient de d'autres clans islamiques. Ça, c'était fait aujourd'hui, ici, maintenant, dans cette époque, dans le 21e siècle, en Irak, en Syrie. Vous qui vous étiez allé défendre le peuple syrien, vous avez commencé à les massacrer, à les vendre esclavagistes, 500 euros, 200 euros, une fille de 9 ans, de 10 ans, et tuer et vendre les organes des autres. Tous ces gens-là, ils croyaient qu'ils ont la meilleure religion. Alors tout ce qu'ils font, c'est bien, c'est autorisé. Il y a beaucoup d'interviews de ces gens-là, de tous ces connards-là. Pensez à la paix, pensez à l'autre. Pensez qu'à un enfant, il peut comprendre et il peut penser mieux que vous. Un enfant, il peut penser, il peut réfléchir mieux que moi, mieux que vous. Pensez à ça. C'est ça que mon père, il m'avait appris. Il a dit, mon fils, même si tu as 90 ans, n'oublie pas un jour, deux jours, 10 000 fois peut-être, tu vas rencontrer les enfants de moins de 10 ans qu'ils vont t'apprendre des choses, papa. N'oublie pas, apprends. Et écoute, et jamais tu ne dis pas que je suis meilleur. Jamais. Surtout dans les pensées, dans les religions. Jamais ne dis pas ça. Le jour que tu as dit ça, tu as écrasé. Le jour que tu as dit ça, tu ne montes plus dans la société. Et tu ne comptes plus parmi les êtres humains. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Les gens qui pensent qu'ils ont les meilleurs, ils se permettent de tout faire, de juger les gens, et même d'essayer de ramener les gens vers leur ignorance. Tirer les gens de la lumière vers l'ignorance. Yakhrajuna an-nar. On vous prend de la lumière, on vous ramène dans les ténèbres, et on vous prend de ténèbres, on vous ramène de l'autre côté. Voilà, mes chers amis, il est exactement 1h du matin, et c'est l'autre émission qui va commencer. Quand même, je vais vous dire, j'embrasse Farid aussi, comme il vient de dire, j'ai beaucoup de... On est amis, hein. Écoutez, autre chose que aussi, si vous ne savez pas, je vais vous dire, à l'époque, actuellement, dans les universités modernes, ça n'existe pas. À l'époque, si vous allez au Caire, par exemple, dans les grandes mosquées, vous avez plusieurs portes. C'est marqué Hanbali, Shafi, Malik, Shi'i. Ces gens-là, ils se rassemblaient dans les grandes salles de cette mosquée, soi-disant, et ça, c'était partout. C'était à Bosra, c'était à Bagdad, c'était dans la plus grande ville musulmane, ça existait à l'époque des Abbasides et de Fatimides. Fatimides, c'était dans le nord d'Afrique, les Abbasides, c'était en Moyen-Orient, ma famille. Pendant 514 siècles, 540 ans de pouvoir. 540 ans, c'était les terres d'asile. Les gens, ils venaient là, ils discutaient, il y avait des athées, il y avait des musulmans, des chiites, des sunnites, à l'époque, ils n'étaient pas, mais il y avait des juifs, des chrétiens, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, devant le calife, ils discutaient, ils se bagarraient même en parole, mais après, ils étaient des copains. Après, on ne tuait pas l'individu quand il sortait. On n'aurait pas le tué par un couteau par derrière ou par un pistolet. Et lui, il croyait en Dieu, l'autre, même pas, il ne croyait pas en Dieu. Lisez votre histoire. Mais ils pouvaient se discuter tranquillement. À l'époque des Abbasides, à Bagdad, 1001 nuits, c'est mes ancêtres qui l'ont fait. Et à l'époque de Fatimiyin, Fiqahir, au Caire, en Égypte, Nord d'Afrique, c'était de pouvoirs voisins. Fatimiyin, Abbasides, c'était de cousins. C'était des cousins. Ils ont fondé de grands pouvoirs démocratiques, laïcs,
rationnel. Et ces mille et une nuits, c'était mille et une nuits de Bagdad, des ancêtres, des Abbasides. Vous pouviez discuter sans aucun problème. Maintenant aussi avec Faïd, on discute, on parle. Voilà, mais après, à la fin, moi aussi, j'ai des respects pour lui. J'ai des respects pour tout le monde. Et on a respect pour lui. Ben, on discute. Moi, j'ai lu 7000 livres dans ma vie. Et j'étais allé dans plusieurs universités. J'ai appris des choses. Farid aussi, il est allé dans plusieurs mosquées. Il a appris des choses. Ce que nous avons appris, c'était varié. Et nos pensées aussi sont variées. On peut discuter pendant 10 ans. Mais ce n'est pas sur l'antenne. Regardez, le temps passe vite. Et... il y a beaucoup de gens qui vont intervenir. Je ne veux pas répéter ce que je répète depuis 20 ans avec Farid et il oublie le lendemain. Vous allez voir la prochaine fois encore, il va venir, il va dire d'abord, tu n'as pas le droit de me demander c'est quoi ma croyance. Mais je t'avais dit, et tu sais, dans mes écrits, j'ai écrit 120 livres. Vas-y lire mes bouquins. Et si dans une heure, deux heures, on ne peut rien dire. On peut rien dire dans une heure, deux heures. Mes chers amis, permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous aime beaucoup. C'est cet amour mutuel, je sais, qui nous ramène de mettre de côté la famille, les enfants, les amis, même l'argent, parce qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Et l'autre jour, il y avait quelqu'un qui disait, on est con de continuer de faire ça, l'époque ça a été changé. J'ai dit, mais nous, on n'a pas changé. On a resté les mêmes. Mais seulement on vient, puisqu'on vous aime. Je sais que vous aussi, vous êtes très très nombreux de nous aimer et restez à l'écoute de votre radio. Et permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM.